Je pense que le meilleur souvenir que j'ai d'un été, c'était quand j'avais 17 ans, je suis parti en stop et en interrail entre l'Italie et la Grèce. Et j'ai fait tous les sites archéologiques et je dormais dans la rue ou sur des échafaudages ou sur les sites archéologiques des fois. Et je me réveillais, par exemple une fois je me suis réveillé à Delphes, à côté du temple de la Pythie, au lever de soleil, dans cet endroit que les Grecs considéraient comme étant le lieu de naissance du monde. C'est des moments assez cosmiques. Moi, la chanson de cet été, c'est une chanson du groupe qui joue avant nous ce soir, Cigarette After Sex. Ça s'appelle Please Don't Cry. Ça va être la saison Twin Peaks quand je prendrai le temps de la regarder, la nouvelle. C'est un garçon de Marcus Malt que je viens de finir. Un livre de Marcus Malt, c'est l'histoire d'un garçon muet qui est à la fois maître de sa vie et parce qu'il a une énergie, il a une intensité qui l'amène à rencontrer des personnes incroyables, mais en même temps, vu qu'il a du mal à s'exprimer, il parle pas et il subit complètement ce qui lui arrive. Ah, je crois que tous les endroits sont bons à accueillir quand le soleil est là. Moi, je suis assez partisan des soirées d'été où on peut se promener en t-shirt, tu vois, et où la nuit s'étale comme ça jusqu'à 1h du matin et on sent que le bitume relâche sa chaleur. J'aime bien ces moments-là, donc ça peut être n'importe où, mais de préférence au bord de la mer. Voilà, c'est un couple qui copule. Et il y en a un qui a une cigarette dans la main. C'est un peu un couple fantôme qui copule. Je pense que les histoires d'amour peuvent être belles, les étés, ouais. Je pense qu'une forme de torpeur solitaire peut être aussi louable et appréciable. Oui, j'ai vécu à Bruxelles les 3 dernières années. Parce que c'est une ville très pratique, très conviviale, chaleureuse. Les habitants sont vraiment très décontractés. Je dis souvent ça laisse place à l'expérimentation sans trop de pression. Donc il y a beaucoup de création qui est non bridée par les contraintes économiques en fait. Solid Mirage, il est très fortement pour moi marqué à Bruxelles. Bruxelles comme une ville dans laquelle je viens m'installer et où j'essaie de trouver des repères. Bruxelles comme une ville qui est la capitale de l'Europe et ce qui est le lieu où se prennent toutes les décisions qui ont un impact mondial. Et Bruxelles comme étant un lieu de rencontre de plein de communautés. Et cette espèce de bouillonnement et de convergence et de fluctuation d'intention, pour moi, ça crée une espèce de masse chaotique qui est représentée par la peinture qu'a fait Tatiana Dofrenne, qui est la pochette de l'album. Qui est un solide mirage, donc une espèce d'image du désir brouillé, tordu et qui est en même temps cristallisé, figé. Peut-être qu'après l'été, j'oserai.